Salut tout le monde, aujourd'hui il y a Jean-Marie et Igor qui sont de retour à Tours et je leur fais découvrir les spots de Ballon-Miré. J'espère qu'on va bien kiffer. On est parti pour une grosse après-midi de training en espérant qu'on soit en forme et qu'on lance des bons petits trucs. C'est parti. Là on a un gros press à faire, d'ici, en haut de la pente là, jusqu'à là-bas. Je crois qu'il est à la limite de ce qu'on peut faire. C'est lourd. Ouais. Du coup on le fait progressivement là, on monte dans la pente petit à petit. Où là on est rendu ici, et ça fait déjà bien gros. Tu l'as fait d'où? Je l'ai fait encore un peu plus haut que celui d'avant, il y a moyen, vas-y essaye. Yes. Dur. Bout de détente là. Ouais, ça va être chaud de le faire haut. Sinon on peut le faire là, hein, d'ici. Ouais, j'ai vu. Ouais. Encore un saut de presse qu'on regardait depuis des années. J'ai fait du kung-fu là pendant des années et je le regardais tous les jours. Énorme, un jour peut-être. On arrive toujours à atteindre ses rêves. Faut que j'en fasse direct là parce que j'ai fait de la merde. J'étais trop tranquille en fait. Faudrait que j'aille plus. Je donne plus de patates. Et ça a passé tout seul. Allez. Vas-y Titi, là, tu me montres un enchaînement et puis moi après je répète en le faisant mieux avec du flow. C'est comme ça? Ah quel connard. Là, on le fait du premier coup en fait, du coup on va voir ce que ça donne. Allez. Allez. Ah c'est pas mal. Ah bah ouais, bah là il a mis la barre très très haute là. Là je sais pas si je vais pouvoir faire mieux. Ok. Vas-y Charles, essaye de faire mieux. Attends, t'as fait le press une fois d'abord. Ouais, j'avoue, j'avais déjà fait juste le press. Bon, vas-y, fais-le. Ok, ok. Ok, on est égalité. Égalité. Bon, là, Charlie va le faire. Ce sera à vous de dire dans les commentaires lequel des deux était le plus fluide, ok? Allez, à Charles. Ah, c'est pas mal! Ah, je crois que tu me niques là. Ah, c'était pas mal du tout. Non, bah on va voir, c'est les abonnés qui décideront quel est le plus flotueux. Le plus flotueux. Allez. Oh là 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 là. Bravo, hein. Clac, 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 clac. Je vais le refaire. Pour moi, le parcours, c'est plus ce genre de petits enchaînements, des petits. Des trucs un peu tordus, des petits sauts mais un peu techniques, plutôt que des sauts énormes comme on fait assez souvent, nous on en fait pas mal, mais pour moi le parcours c'est plus ça que des sauts énormes quoi. Je trouve ça plus intéressant, important de savoir faire ces petits sauts là, plutôt que faire des sauts de 15 pas, 16 pas au-dessus du vide ou ce genre de trucs quoi. Voilà, c'est ma petite vision de lui. Allez, voilà, c'était le moment, leçon à Titi. Bonjour, c'est la West Coast Family. Du coup, on aurait peut-être pas dû passer par là parce que du coup, il y a un saut à faire là. Non, le talon il touche, c'est sûr. C'est sûr. Mais regarde ce que tu aurais pu faire. Un défi qui fait vomir. Le défi, ouais, c'est ça. Le défi, c'est détente là au-dessus de l'eau. Tout est casse-couille. Donc, un pied là, détente là-bas sur la petite bordure. L'élan il rentre. Là, ça glisse à mort. Il y a de l'eau.
Parfait, le saut parfait. Donc petit test mental. Tu veux qu'on se mette en caleçon? Bah ouais. Pour le faire? Ouais. Torse nu en caleçon. Il y a des enfants qui... Ah quand tu peux se foutre à poil, il y en a un qui est toujours là. Hein. Ah, toujours là. Il est déjà tout nu. Je sais pas, je te... Ok, Titi est chaud. Moi je vais viser plus à droite, je crois. Non, j'en sais rien. Je le fais, tu vois. Oh. Elle est froide, l'autre petit. Ah, bah c'est sûr, elle va être froide. Elle est froide, il y a pas encore mis. Allez, je l'ai. C'est vrai. Toi, tu vas le faire bidon. Là, je vais tomber à l'eau. Moi, je vais le faire bidon, hein, ça. Elle est pas gelée. Non, elle est pas gelée. Non, mais choc thermique. Elle fait 10 degrés, ça va. Oh là là! Putain, là, la là pression là pour rien quoi, il fait 11 pas le truc! Putain, t'as mis le talon? T'as touché le talon? Un peu, ça et va, mais stop! Mais il a pas mouillé donc je vais pouvoir le faire. Une fois ça suffit. Je vais pas le refaire. Ah bon, bizarre? J'ai pas le droit de fuir ça, mais d'accord. Ah bah là non! Un des temps de 11 pas, t'as pas l'air de fuir. Donc Titi a sauté là avec, avec une tonne de poussière là, tu vois bien. Mais non. Allez gros Charles. Ça a fait plouf. Ouais, mais je me suis presque pas aidé du poteau. Oh mais je voulais trop le faire, ah ouais. Il a tout mouillé. Ah oui c'est trop bien. On a bien fait le centre de ballon. Donc là, on va bouger sur un petit spot d'urbex bien stylé. C'est parti, à tout à l'heure. Si tu bouges. Ouais, sur un nouveau spot là, c'est sympa. Yeah. Juste c'était pas propre, ça compte, faudra pas mettre dessus. Si. Non. Donc là on essaie d'enchaîner un petit truc, un petit flow. Ouais, petit passe-muraille. Ici là. Passe-muraille. Grosse planche, bien dynamique. Un pied, deux pieds, presse. Et ouais. Puis front pour Charles. Ça joue. Le plus gros move de Titi de la journée. Comment ça fait chaud? Donc, j'enlève mon t-shirt et j'ai encore les cheveux. C'est quoi ce logo? C'est, ah, il est classe, le logo de la West Coast d'ailleurs. D'ailleurs, nouveau t-shirt bientôt? Très bientôt, nouveau t-shirt. On attend juste le colis par la poste là. Mieux travaillé. Voir. Un peu mieux fini. Meilleure finition. Meilleure qualité. Vous verrez ça. Bon, Titi va tenter quelque chose d'assez chaud. Donc on laisse se concentrer tranquillement et puis on se prépare à le filmer quand il lance. Ouh ! Je vais le refaire mieux que ça, mais c'est bon, je peux le refaire. Stylé ! Petit défi ultra mental que Titi a trouvé. Comme d'hab, détente, derrière le mur, précision, ici, avec ce petit vide des familles, qui fait bien plaisir. Ah non, pourtant j'ai rien donné. Donc ça va être un petit peu difficile parce que faut rien donner du tout. Et ouais, ouais, faut rien donner. Un peu de vide. Vas-y. Il y a un petit peu de vide. Est-ce qu'on fait chacun notre tour? Bah oui. On va voir qui va y arriver le premier. Ah. Toi. C'est dur. Ouais, t'as rien donné. Yeah. Yes. Bon bah il m'a niqué et comme... Non, si tu le fais là c'est bon. Ah, j'ai encore une chance pour lui arriver. Il m'a pas encore niqué. Ah oh, putain trop. Ah non. Bon bah voilà, c'était sûr. Donc je me suis fait avoir. Mais comme la compète, entre guillemets, dans la West Coast, c'est toujours bon enfant. C'est ça. Bon. C'est pas la compète, c'est des... C'est l'amour. Des petits jeux entre potes, on va dire ça. Des petits défis. C'est comme ça qu'on progresse aussi. Je sais ce que je vais faire pour qu'il y arrive. Je vais me mettre devant.
Allez, tu piles. Allez. Ça a marché. Une technique qui marche. Super. Bon Thomas, qu'est-ce que t'as vu comme move là? Un press. Un petit press de 8, à peu près 8, ça va, c'est pas énorme. Ah, regarde, il est là. Voilà Thomas, sa singulière non peur du vide. Juste à côté, juste un petit peu de vide. Bon bah ouais, fais gaffe gros. Ouais, ouais, ouais. Oh ouais. Bravo. Bah oui, forcément, une fois ça suffit pas. Le poteau en béton. Le poteau en béton galère. Il a réussi à plaquer le saut de presse avec le vide. Ah, ça bouge plus. Tu reviens? Non, j'ai juste. Ça bouge plus. Ah ouais, ça bouge plus, fais gaffe. Ah ouais, ça bouge carrément plus que tout à l'heure. Oh le con. Putain. Ah, j'ai raté. Vidéo de chute. En même temps, je me sentais gros comme une. Bah ouais, mais je pensais château, que c'est. Un château fort. Ouais. Ouais, bisous. Donc là, on est sur un petit enchaînement. Bon, ouais, détente, course, un pied. Un pied, presse. Voilà. Ouais, voilà, ça le fait. On a fait pareil. Du coup, on a trouvé un nouveau défi parce que notre truc c'était un peu trop simple. Donc, explication rapide. On fait toujours stride, presse. Sauf qu'après, on fait un espèce de tic-tac sur les mains. Vous allez voir vous-même tout à l'heure, et on fait presse sur les marches, du haut de la marche, comme ça. On va se regarder. C'est chaud la fin. Ah, fils de pute. Ah, c'est dur. C'est la bonne. Alors, c'est pas la bonne. Oh non! Oh là! Allez. Bon bah, je fais un dernier essai et puis on arrête parce que j'ai commencé à être patoche. Que dalle, il va y arriver. Boum! Allez! Bon bah voilà, petit training terminé, j'espère que ça vous aura plu. On a bougé jusqu'à ce qu'on en puisse plus, c'était vraiment stylé. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires en bas de la vidéo si vous avez des remarques, quoi que ce soit. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, à plus. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici pour encore plus de vidéos. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux Facebook et Instagram. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez accéder à notre boutique en cliquant juste ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite. En attendant, portez-vous bien. Ciao.